Issa Balade déjà, non? Merci. Sollicitant du point ministre du gouvernement et toutes les forces vives de la nation, cette implication pour que la paix revienne dans notre pays, surtout la paix dans le Pôle qui est une des régions de notre pays qui aujourd'hui, vous le savez tous, vit des moments très difficiles. Chers amis, chers camarades, la vie de notre pays peut se soustraire du rythme des rendez-vous démocratiques. Ainsi comme l'année 2016, cette année 2017 est et sera une année hautement politique. En effet, dans la dynamique de la normalisation et de la mise en place définitive des institutions de la Nouvelle République issue du dernier référendum, les élections législatives et sénatoriales auront lieu sous peu. Notre parti, notre hier petit parti devenu grand aujourd'hui, participera à la hauteur de sa grandeur aux élections législatives et sénatoriales. Notre formation, par sa mobilisation, doit être placé au cœur des activités politiques dans tous les départements de notre pays. Et ainsi, nous pourrons dire politiquement que notre activité dans ces départements sera effective. Politiquement, nous aurons des candidats dans tous les départements du pays. Et aujourd'hui, le moment nous est donné de travailler en toute sincérité pour qu'on fasse les populations qui entendent parler de notre grand parti, le PCAP, hier, Parti pour la Concorde, hier, Génération pour la Concorde d'Action Politique, GCAPO, aujourd'hui, Parti pour la Concorde d'Action Politique, que ces populations apprennent et continuer à compter avec notre grand parti parce que nous mettrons en face des candidats dignes, respectables et dévoués à la chose commune. Le conseil central du PCAP s'est réuni le 14 janvier 2017 dans la salle de conférence de l'hôtel Azu, sous la direction de son président, l'honorable Alexis Ndinga. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'observation d'une minute de silence en mémoire des camarades Emmanuel Caro et Sébastien Moukala, décédés l'année dernière. Après, s'en sont suivis le mot de circonstance du secrétaire général qui a circonscrit le contexte de cette activité, puis le mot d'ouverture du président national. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux se sont poursuivis par l'examen des 12 points inscrits à l'ordre du jour. À la suite des débats, francs et fructueux, les points de l'ordre du jour ont été adoptés, tantôt avec les amendements retenus par les membres présents au travail. Les conseillers du Parti pour la Concorde et l'Action Politique, PCAP,
ont réaffirmé leur engagement à leur parti et leur soutien à son président, l'honorable Alexis Ndinga. Débutés à 11h59, les travaux de la première session ordinaire du Conseil central du Parti pour la Concorde et l'Action politique, PCAP, se sont achevés à 15h45. Chers camarades, je tenais à remercier tous les camarades ici présents pour avoir pris à cœur ce rendez-vous qui nous a permis d'avoir des échanges durs, constructifs et fructueux. Au-delà de nos contradictions, ce qui doit primer, c'est l'harmonie, l'unité et puis le grand esprit de camaraderie. Nous sommes un grand parti, je dis bien nous sommes un grand parti. Inutile de rappeler notre belle prestation lors des élections locales de 2014. Nous ne devons pas oublier tous ceux qui nous font confiance. Nous ne devons pas oublier la grande population congolaise qui compte sur nous. De Sonke à Pointe-Noire, nous sommes un parti prêt pour aller au combat. Ce moment d'échange et de complicité nous a permis de commencer à regarder comment allons-nous affûter nos armes pour être prêts aux batailles futures. À ceux qui sont absents, allez leur partager la bonne parole que le PCAP sera présent sur tout l'étendue du territoire national avec ses candidats debout comme un seul homme, ranger les rênes au président pour gagner le grand groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.